Salut à tous, aujourd'hui je vais fabriquer une boîte pour mettre des plus-plus. Donc si vous ne connaissez pas les plus-plus, c'est des petites pièces qui s'emboîtent à l'infini au nombre de ce qu'on a dans la boîte par exemple. On peut faire des formes en 3D, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, tant qu'on a de l'imagination. Donc je vais déballer le carton qu'ils m'ont envoyé, donc c'est parti. Donc je vais déballer les boîtes. Voilà. Alors il y a une petite notice. On va la regarder après. Hein. Je vais tout foutre sur la table comme ça. Bon voilà, il n'y a plus rien. Donc là, c'est une boîte de 100 pièces. Donc voilà à quoi ça ressemble, un plus-plus. Hein. Et c'est trop bien, il y a plein de couleurs. Donc. Voilà, si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Voilà, c'est tout petit. Et je vais déballer toutes les boîtes. Donc il y a 4 boîtes, donc ça fait 400 pièces. C'est énorme. Voilà, donc là je suis en train de voir, c'est interdit aux moins de 3 ans. Et puis bah, c'est fabriqué au Danemark, donc c'est bien, c'est pas fabriqué en Chine. Donc c'est bien. Et la dernière boîte, oui, là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ah, toujours la mise au point. Voilà. Voilà, c'est Noël avant l'heure. En parlant de Noël, bah. Vous pouvez en acheter hein, si vous avez des enfants pour en acheter pour Noël. Ça fera plaisir aux petits-enfants. Et donc là, ça fait beaucoup de pièces. Donc bah au lieu de les mettre sur le bureau, bah, je vais fabriquer une boîte hein, tant qu'à faire, imprimante 3D bien sûr. Donc je vous laisse avec la modélisation tout de suite. J'ai fini d'imprimer les deux parties, donc le couvercle qui m'a pris 11 heures, et pourtant c'est assez fin, et la boîte m'a pris 10 heures. Il n'y a aucune logique dedans, hein, c'est bizarre, pourtant c'est plus petit, mais bon, il faut croire que ça met plus de temps. Du coup, les deux parties sont imprimées, je vais tester maintenant, voilà. Donc j'ai écrit plus plus, comme sur les plus, plus. Là, donc c'est marqué comme ça, et puis bah, de l'autre sens en fait, c'est assez stylé. Donc je vais mettre comme ça. Voilà, donc ça se met bien. C'est une boîte. Par rapport à un plus-plus, c'est 10 fois plus grand. Ouais, donc la taille d'un plus-plus, la taille de la boîte. Pendant que l'imprimante imprimait la boîte, ben moi je me suis un peu amusé avec les plus-plus. Donc ben, par boîte, il y a un petit sachet comme ça. Ben, c'est tous le même, mais du coup j'ai pris. Et ben, c'est des petits modèles. Hein. Après, on peut créer ce qu'on veut. Mais moi j'ai créé le petit pingouin pour commencer. Donc ben, il est là. Voilà, donc ça ressemble à peu près à un pingouin. On peut pas dire que c'est vraiment un pingouin, il manque des yeux et tout, mais c'est pas grave. Dans la forme, ça ressemble à un pingouin, les couleurs et tout. C'est bien quoi, de s'amuser avec ça. Ça fait des petites décos comme ça. J'espère que vous avez aimé le design de la boîte. Et même de connaître les plus-plus si vous ne connaissez pas.
Je vous mets le fichier dans la description. Et puis aussi, je vous mets quelques liens sur Plus France et sur Plus en général dans la description aussi. Par exemple, leur Insta ou le lien de leur site internet si vous êtes intéressé pour en acheter. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.